Merde. Bonjour à vous, bienvenue sur de qualité allemande, où nous allons jouer. Ah, DBD Light, il est minuit 30, et on rappelle que ce n'est jamais une bonne idée de lancer un live à minuit 30. Après, DBD, ça va, c'est pas comme si on jouait à Wyvern ou si on jouait à Northgard. Northgard, j'oublierai jamais le live qui avait duré 6 heures, et 6 heures de la même partie. Enfer. Pourquoi je live si tard? Parce que tu fais des choses avant. J'ai eu un problème, je montais une vidéo qui m'a pris beaucoup 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 de temps parce que beaucoup de problèmes en fait liés à la personne qui l'a tournée. Et du coup j'y vais pour mission de monter ça, mais aussi du coup de corriger ce que je peux voir un truc dégueulasse. Et le souci c'est qu'en fait quand je l'avais fini, ça fait trop longtemps j'étais saoulé et tout, je l'ai envoyé. Et j'ai fait au gars, tiens c'est fini. Bonne chance. Et j'ai envoyé ça hier soir. Hier soir, il était 20h, 19h. Le gars m'a répondu, on doit être cool et tout. Et là, en me levant ce matin, je suis allé faire ma vie et tout. Je suis allé à la pharmacie, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à préparer à manger et tout. Il est arrivé, il était midi. Et genre là, je vais sur mon PC et je fais, attends, il faut que je fasse de la place parce que je dois bosser sur autre chose. Et du coup, avant de charger les fichiers vidéo sur lesquels je devais bosser, j'ai supprimé du coup tous les fichiers vidéo du gars. Vous sentez la couille venir. Et il m'a envoyé un message à 19h là pour me dire Eh en fait, je viens de regarder la vidéo, il y a un problème, il n'y a pas de son. Je fais comment ça, il n'y a pas de son? Je fais bah, tu sais, il n'y a pas de son. Et je télécharge, j'ai vu effectivement, il n'y a pas de son. Et je fais ah merde, c'est con parce que j'ai tout supprimé. Et du coup, là, je suis en train de tout re-télécharger pour tout réparer et tout. C'est pas fini parce que ça va me prendre 3 ans. Et du coup, voilà. En fait, j'ai réparé une des. En fait, il y a deux vidéos et je dois les recoller après. J'ai réparé une de deux vidéos et du coup je vais réparer la deuxième demain. Du coup j'ai envie de stream pour me détendre. Mais regardez! Ah, User Counter qui bug. Mais qui va se réparer tout seul? Voilà. La magie. Hop, je coupe la musique. Sur EV du processeur. Je m'en fous. Je coupe Discord, je sais pas comment merde. Hop. J'ai acheté Baldur's Gate 3. J'ai demandé aux gens si c'était streamable. Ils m'ont dit non! Non, car Zizi! Zizi, vagin et néné. Je suis d'accord, et je n'ai pas le droit du coup. Du coup, je ne vous streamerai pas Baldur's Gate 3. À moins que je trouve soudainement une règle obscure, genre contre Uno, en fait, si j'ai le droit de vous montrer des Zizi, si ça fait partie du jeu. Mais sinon, je ne pense pas. Vous ne verrez pas mes créations magnifiques. Non, ce qui est. Sur le banc, il y a des survivants que j'ai pas. Il y en a un que j'ai pas lui. Il y a Jane qui a déjà monté Aistriazar. Niveau enfin, prestigeant. Très impressionné. Mais Jane m'impressionne toujours. En fait, c'est soit Baldur's Gate 3, soit Resident Evil 4 Remake. Et le problème, c'est que Resident Evil 4 Remake, j'en ai beaucoup de mal. Du coup, bah. Même si le jeu a l'air bien, je suis sûr que je vais m'amuser. Hein. Mais du coup. Pour me faire des elfes. On fait une game survivant. On voit comment ça se passe. Et on va jouer tueur. Sinon. Hey, mais je te connais. Ils ont la même mimique. C'est quoi mon build? C'est ça. Ça, c'est de la merde par contre. Ça, c'est de la grosse chiasse. Que je vais mettre ça. La 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 la. Ne quitte pas mon ami. Laisse-la quitter elle si tu veux. Il y a des points de sang dépensés. Ça rappelle du bug des 3 dans le salon. En gros, le bug des 3, c'était que
Il y avait des moments où on était. En fait, quand on rejoignait le salon, en fait, on était que 3. Et le 4ème, faut pas rejoindre, en fait. Et du coup, bah, quelqu'un devait quitter pour que ça débug. Des fois, t'es en plein après-midi, donc les game tueurs à l'époque, moi, quand j'ai commencé, pour trouver une game tueur, c'était genre. C'était vraiment sans exagérer. Allez, 10 bonnes minutes, allez, entre 5 et 10 bonnes minutes pour trouver une game. Et genre, c'était souvent, vous voulez pas quitter, écoutez, en mode putain, allez-y, que quelqu'un quitte. Alors que souvent, c'était instant, quoi. Que moi, au début, en 2018, 2018, même 2019, enfin, moi, ça me saoulait, je me suis. Enfin, quoi que 2019, j'ai commencé à apprécier. Mais au début, j'étais vraiment parti en mode, je ne jouerai jamais à survivre, quoi. Ce qui est rigolo, j'ai connu une personne qui n'avait jamais. Alors, peut-être non que c'est le gars, mais qui n'avait jamais. De quoi que je joue plus à DBD. Qui n'avait jamais joué tueur. Et quand elle avait détesté parce qu'elle était paniquée, elle savait pas quoi faire, elle trouvait pas les survivants, elle savait pas comment faire pour trouver les survivants. Elle mais je fais comment? Alors qu'en fait, je trouve que se priver de jouer une des deux personnages, c'est vraiment, vraiment se priver d'une partie du jeu. Les gens qui disent c'est pas le même jeu de jouer survivant ou tueur, je suis pas d'accord. C'est le même jeu. Mais c'est vrai que c'est une expérience différente. Juste comme certains tueurs n'ont pas du tout la même expérience de jeu. C'est vrai que j'ai pas mon totem de soins. J'ai peur qu'il fouille pour prendre des. Des fois, tu fais A pour mettre une palette. En fait, ça met pas une palette, ça met. Ça te rend indétectable. Enfin, je crois. Repérage. Il poursuit personne, ça m'inquiète. Ils font rien, eux. Je suis vraiment choqué à quel point ce personnage-là ressemble pas du tout à son art officiel. Genre physiquement, même le visage. Hein. C'est con parce que j'aurais préféré. Mais j'aurais trop voulu que Yui genre, fasse une taille comme ça avec un build comme ça. Comment tu fais encore en ligne de mire avec moi là? J'ai couru vers la cave bien sûr parce que je suis un gros abruti. Ça faisait longtemps qu'on avait mis au fond. La cave, j'aime pas parce que je me dis je peux me faire baiser. Genre pour rester poli. En fait, il peut essayer de me camper comme ça. Il est totalement con. Ouais, il fouille ce qu'il cherche par à côté. C'est son bonhomme, je crois. 1, 2, 3,
4, 5. Ok, c'est bon. On reste en bas ou on monte en haut? Putain, j'ai bite the bullet, ça fonctionne pas. Je crois que je me soigne plus vite tout seul en fait, avec la compétence de sable et botanical knowledge. Putain, le fait qu'on peut toujours pas savoir qu'est-ce que nos potes ont pris comme compétence, ça me déglingue. J'ai même pas en ligne de vue avec toi, Brutti. J'ai l'impression que ce que j'en sais, c'est pas possible, j'ai tourné un angle comme ça. Moi je demande vraiment les gens. En vrai je suis nul en l'eau et je pense que je le resterai très longtemps, je pense que dans 2 ans je me serais à peine amélioré, mais il y a des moments je sais pas comment je vais faire. Surtout que moi, quand je joue tueur, tout le monde est bon en loop. C'est ça qui est dingue. Il y a que les moments où ils ont pas Windows Opportunity et qui vont dans des dead zones, ça se voit quoi, mais sinon, on la fait pas. J'ai un déçu, je dois soigner des gens, je suis une personne en hiver. Oh, t'es bourré. Non mais genre il arrivait à se déplacer aussi vite comme ça. Genre il était en mode lancer rafale et il a continué à avancer ce qu'elle a sérieusement. C'est un vrai truc qui vient de se passer là. Bon, le Trickster il a un objet que je connais, un combo d'objets que je connais pas. Je veux dire, soit je sous-estime la vitesse du Trickster. Non. Quand tu lances en rafale, je sais que t'es giga lent, je devais rejouer même avec la version et tout. Soit il s'est fait boost. Donc soit il s'est fait boost, soit il y a un combo d'objets, soit les deux. Mais c'est pas possible que genre tu traverses tout le couloir comme ça. Enfin, aussi vite. C'est-à-dire, la quasiment à la même vitesse que moi quand je cours. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Ce que j'ai, c'est surtout que mon défi, en fait, voilà, je signe des gens, en fait. C'est ça, bénévolante, hein. Attendez, c'est le moment de vérifier. Ah, apparemment, je l'ai bien. J'ai une hook quelqu'un? Je sais pas. Je l'ai en argent, apparemment, donc ça va. Après, est-ce que bénévolent, c'est un truc qui est facile à avoir en doré. Quand tu as décroché quelqu'un et soigné, c'est bon. Je suis là. Bon, j'avais dit qu'on testait une game, mais là, je trouve la game était tellement décevante que, genre, je préfère relancer. Copieuse! Pardon. J'ai compris. C'était quoi l'autre perk que je mettais déjà? Ouais, Desperate Measure. Comme Desperado. Comme Desperate Measure. D'ailleurs, je disais, ouais, c'est fou parce que je joue avec la compétence de sable, mais je m'en sers pas et j'y pense pas. Alors, en vrai, j'hésite à l'enlever, mais en même temps, non, parce que j'ai fait des games, je me suis rendu compte que je jouais pas avec. Mais dès que je me suis fait la remarque, j'ai enchaîné 3 games et en fait, dans les 3 games, ça m'a grave aidé.
Après, je remarque. Après, c'est aussi une question de. Bon, ça, c'est un élément que je devrais prendre en compte, surtout vu mon passif, mais. Ça dépend surtout beaucoup de la chance. Il y a beaucoup de moments où je ne pouvais pas l'utiliser parce qu'en fait, le tueur était vers la cave. Bon, il y a très peu de chances que le tueur soit spécifiquement vers la cave et toi, tu as besoin d'y aller. Mais voilà, c'était le cas. Par contre, vivement qu'il y ait il y a la version cheatée, là, de, comme à l'ancienne, de Iron Will, parce qu'en vrai, la convenance de Léon, elle va s'appeler dégage. Hein. Non, mais la convenance de Léon, je vois pas l'intérêt en fait. Ah ouais, je suis en chanteur du tueur. C'est un cheater, ça, non? Parce que Huntress, une hache, t'es vite arrivé dans la gueule. Hein. Le son il est bien là, vous m'entendez, hein, il s'est pas coupé entre temps. Ça n'a pas refait d'ailleurs. C'était que sur WoW en fait que ça le faisait. Donc j'ai dit ça va le faire, mais. Putain, elle l'a emmené loin, hein. Espèce de grosse bouffonne, laisse-moi faire, putain! Bah non, c'est trop tard, espèce de grosse conne! Bon, elle est sympa, elle a quand même vu qu'elle a fait une connerie, enfin. Elle a quand même dit, oh, non, elle a raison, elle va vous faire foutre. Elle a très bien vu que j'étais devant le truc à voile, Laura. Désolé, hein. On va dire aussi peut-être qu'elle a voulu. Non, parce que je trouve ça c'est vrai. C'est bizarre qu'il y ait une comme là ici, comme par hasard. Je pense que c'est sous une palette et puis il y a l'autre qui est pas loin. S'il vous plaît, faites pas comme je tombe dessus par hasard. Moi je suis un endroit de rencontre assez probable. Oui! J'ai mis le protection 8. Bon. Du coup, on n'a jamais su cette histoire de Stranger Things qui avait disparu. C'est dû à quoi? En vrai, la vraie question, même si la réponse n'est pas si importante que ça. Important que ça, mais quand même un petit peu, je trouve, c'est. C'est de la faute de qui en vrai? Des BD ou Stranger Things? Enfin, Netflix plutôt. Ou alors est-ce que c'était un coup de com'? Comme j'en disais. Le pire, c'est que l'histoire du coup de com', j'y crois.
l'océan en suivant. Avec plaisir, j'en défie. Je sais même pas où est la cave ici. Ah si si. S'il te plaît. Mais un chanteur énorme elle en fait. Je vais passer par là. Je pense aller en bas. Oh putain. Sous loupe de l'enfer. Clic gauche? Non, c'est espace. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Enfin, j'ai oublié ce qu'en fait, si je me rappelle que c'est la même chose dans la nature. Je suis mort. Je t'ai accroché deux fois. Je suis un peu. Je suis vraiment plus. C'est quoi attends, la première fois c'était. Ah mais si si si. Attends, mais non, j'ai rien dit. Je t'ai accroché dans la tour, il y a machine qui. Ah si si, c'est vrai. Si c'est vrai. Quand j'ai décroché la personne, non. J'ai fait accrocher directement après. Au moins je l'ai eu mon truc. En vrai, c'est facile à avoir. En vrai, je propose un truc. Surtout un truc que je propose pour les tueurs, mais aussi pour les soldats, parce que souvent c'est galère de se faire des points. Pourquoi ne pas faire en sorte que les compétences te rapportent des petits points, genre en survie par exemple, parce que c'est le truc qui aura le plus chiant à faire des points. Ou à l'altruisme, ça dépend genre du type d'aperc, enfin bref, des points en plus. Quand tu utilises ces percs, quand tu interagis avec ces percs. Genre c'est con, mais pourquoi par exemple quand tu utilises pas Windows Opportunity, un exemple qui me passe en tête. Genre t'as pas un petit bonus de points en plus, mais c'est un truc léger, genre du 25 points, du 50 points, moi ça me va. Quand tu passes par-dessus une fenêtre. Parce que Decisive Strike a un truc, il me semble. Il y a certaines paires très rares qui ont un truc, je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas toutes. Genre je comprends pas. Genre pourquoi Bite the Bullet ne donne pas un petit bonus de points après avoir soigné quelqu'un, peut-être auto-soigné, genre avec ça quoi. Je sais pas. Il faut voir un truc comme ça. Genre ça quand tu le fais, soit qu'on donne un point, un petit bonus de points quand tu fais ces tests d'habilité. Soit qu'on donne des points après avoir joué de la guitare. Et genre que le bonus, plus cette personne qui est affectée par la guitare, plus tu gagnes de trucs quoi. Je sais pas pourquoi. C'est ça pourquoi y a pas ça. Parce que pareil, Blast Mine a donné un bonus de points. Et je trouve ça dommage, ça manque. Sur les points, c'est galère en fait en tant que survivant. Genre, à chaque fois, t'as l'impression de te faire carotte quoi. Vraiment, la sensation de se faire voler en jouant survivant, elle est immense quoi. Donc, killer, à chaque fois, j'attends 3 ans pour jouer. Est-ce qu'on rejoue cette fraude? Des fois, c'est amusé hein. Le pire, c'est que j'ai fait 60 de gâteau. Je vais mettre play parce que sinon on va galérer à trouver. Ouais, on va jouer cette fraude. Hein. Et après, on va jouer, on va voir ce qui nous inspire. Spoiler, je pense pas grand chose.
Ce qui est bien, c'est qu'en tant que tueur, t'as tout le temps des gâteaux en suivant, non? Parce que là, c'est partagé avec les lampes, les trousses de soins et les boîtes à outils. Ce qui est chiant d'ailleurs. Moi, si je fais sacrifier genre les boîtes à outils, les trousses de soins et pour des gâteaux, je dirais oui, vas-y. Hein. Le seul objet qui était intéressant, c'est qu'il me donnait des cartes pour un événement point de sang là. Qui était très cool. C'est tout. Non, j'ai bien aimé qu'il y avait un événement, qu'ils ont fait un événement point de sang. Donc il n'y a pas d'événement Pride, en vrai c'est pas grave parce que ça tombe même moi de l'anniversaire donc c'est compréhensible. Et du coup faire des trucs à côté c'est sympa. Après ce qui me fait peur, et oui c'est un truc qui fait vraiment peur mais... C'est qu'en fait il y a vraiment... C'est que genre dans un an ou deux genre il y a des événements mais tous les mois. Mais des gros événements tous les mois. Pour moi les gros événements comme Halloween, comme l'anniversaire ou comme... Je sais pas moi, le genre le l'hiver, enfin décembre, parce que je dis pas Noël, c'est pas vraiment Noël quoi. Le jour du Halloween, c'est pas vraiment Halloween. Hein. En fait, c'est exceptionnel quoi. Waouh, vas-y, hein, c'est pas du tout 3 ans pour trouver une partie. Bon, j'étais à 69, je suis à 84 là. Vu la vitesse. Ça, je suis effaré de voir à quel point c'est nul en fait. C'est vraiment 1% en moins. Et une seconde quoi. Faut que je l'enlève en vrai, on passe par autre chose. Mais le problème c'est que ça c'est basé. C'est quoi tout mon build quoi. Qui est basé là-dessus, c'est même pas une blague. Ouais, j'ai ça hein. En vrai, on va jouer avec ça, mais. Parce que le build est rigolo. En fait, je trouve ça rigolo de jouer avec ça, mais ça, il faudrait le booster, hein, c'est pas possible. 1%, c'est pas assez. Limite, réduisez le jeton max, si vous voulez, mettez-les à 15, on s'en fout. Mais genre, même à 10. Mais genre, enfin, faites quelque chose, quoi. Le maximum auquel je suis monté, c'est 9. Hein. Alors que je joue avec ça et ça. En vrai, je devrais jouer avec Call of Brain. Genre avec ça, comme ça, et puis ça. Ça, je sais qu'ils reviennent, et du coup, je vais les tabasser. On a Dragon Gripe, en vrai. Qui va se faire boost. Je voulais créer un build mais je vais pas le faire. Je voulais créer un build avec les corbeaux. Ouais j'aurais le temps. J'ai mis ça au pif, je sais pas trop quoi mettre. J'ai vraiment zéro perk de protection de générateur, donc je vais plutôt mettre ça. Moi ça me fait une perk de protection de générateur. Même si généralement quand on met qu'une, c'est bien de mettre deadlock. A l'époque c'était intervention magnifique, mais vu que ça s'est fait nerf et qu'il y en a, il y a deadlock, bah c'est mieux de mettre deadlock. Même si je trouve que je suis d'accord avec les gens qui disent que avoir nerfé deadlock c'était débile. Parce que ça fera pas moins jouer les gens avec en fait. C'est vrai qu'ils ont ça pour ça. Il y a d'autres raisons, mais je sais plus. Mais déjà, moi je trouve que, enfin, personnellement, je trouve que c'est débile parce que, en vue 5 secondes, j'ai l'impression que c'est du troll déjà. Puis c'est vraiment sans. Ouais, enfin. C'est ils ont fait ça en fait. Ils ont dit qu'ils avaient fait ça pour que les gens jouent moins avec. Mais dans ces cas-là, boost de perk en fait. Enfin. Et les gens jouent pas moins avec. Et surtout, nerfer une perk de Gen Rush. Alors que le Gen Rush. Enfin, anti-Gen Rush, alors que le Gen Rush est. Ultra oppressant, bah je trouve ça débile quoi. Ça c'est très très bien d'avoir ça dès le début en vrai. C'est quelqu'un.
C'est l'oppression que j'aurais dû mettre. Bon après je tape son générateur, ça va me tenir à cœur. Je ne veux pas! Même pas! Ah, déception. Trop bizarre cette game déjà. C'est une blague. C'est une énorme blague. Vas-y, fais la tomber ta putain de palette. Le truc est tellement... Le canon est tellement mauvais que même quand l'ennemi ne bouge pas, tu le loupes. Si ça, c'est pas le troll du siècle quand même. Il faut enlever les ricochets. Hein. Ah, comme quoi, voilà, je suis pas tout seul à me faire avoir. Pas genre de se rappeler. Mais putain, vous êtes des handicapés mentaux. Je ne veux pas jouer avec vous, je vais tous vous tuer. J'en veux plus de ces mecs, hein. Mais c'est vrai qu'en vrai, je veux dire un truc, j'ai vu... Parce que moi, j'ai pas beaucoup stream sur l'event. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait stream aujourd'hui. C'est qu'en vrai, l'event, je l'ai vraiment... Très peu de stream, je fais qu'un stream, en fait, c'est pour ça que j'en avais fait deux. Mais en vrai, j'ai vu beaucoup de gens qui jouaient des friendly. Hein. J'ai toujours friendly, je vous dis même pas, mais... Les bien, c'est que j'aime pas genre les leur taper dessus parce que je vois qu'ils essayent juste de farm en fait. Moi j'ai pas envie de farm en fait. En fait le truc c'est que moi en tant que tueur, même si je joue comme un débile manteau, je me fais beaucoup de points quoi. Je ne veux pas, non! Non! Plus elle a auto-soin! Est-ce que vous pensez qu'elle a la perk de machine? J'ai attendu 2-3 minutes pour cette game. Nous sommes. Là, je vais pas encore. Il est pas là, c'est tout. Moi, je suis comme les builds, on dirait du chaos shuffle quoi.
Alors j'ai pu approcher avec tout ça. Ah oui, je vais toucher, mais d'accord. J'ai dit non aux autres, hein, mais je dis oui à elle, je devrais pas. Tenez-vous, faites-vous des bisous. Elle est morte, elle ? Non. Je vous occupe de l'autre. Mais je veux pas, moi, être friendly. J'ai mis ça que j'en ai vu beaucoup, moi, des friendly, en fait. Ça me fatigue, en fait. Bon. Faites votre vie. Soignez-vous. Faites-vous des bisous, là, un peu. Y'a pas des portes à péter là-dedans? Est-ce qu'il y a des billes pour que je peux péter cette porte alors qu'elle a l'air très... qu'elle a l'air vraiment très facilement défonçable? Surtout si tu compares aux autres. Par contre, je suis toujours autant sur le cul de me dire à quel point l'un des meilleurs tryers qu'ils ont fait pour un tueur, c'est pour Silent Hill. Et je dis pas ça parce que je suis un gros fan de Silent Hill, vraiment, je trouve que le tryer de Silent Hill est incroyable.
Je réfléchis, mais non, il n'y en a pas trop. Arrête, en fait, j'aime bien Silent Hill parce qu'il y a une construction qui me plaît beaucoup en fait. Le trailer. Il est grave hypant et tout. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un vrai truc. Le tueur, il est vraiment mis en valeur. Le suivant aussi, c'est vrai trailer comme j'aime. Un que j'aime pas pour. Enfin, un que j'aime aussi d'autres pour comparer peut-être. Oni, j'aime bien vraiment. Un peu la même construction. J'aime beaucoup. Genre là, elle a enlevé, vous avez vu ça? Alors que j'étais pas là. J'étais physiquement pas là. C'est dingue, hein. Ouais, j'en prends deux. En plus, c'est parti freiner son long, je trouve. Alors qu'en théorie, ça va être rapide, hein, vu que... C'est sable non plus. Et imaginez, il pourrait placer ses clones où il voudrait. Mmh. Ça serait tellement mieux. Bon, je continuerai à m'énerver sur ces jeux, mais en vrai. Franchement, il pourrait me tuer de jeu, je m'en fous. Ça, il me regarde, ils enlèvent leur truc. Je sais pas si Sony est sable hein, jusqu'à là, mais. Clairement un problème. Hein. Ça, je crois que c'est ma réplique préférée du personnage. Hein. Dégueulasse pour les autres qui à la base voulaient faire ça. Hein. Mais bon, en fait, le problème c'est quoi, je voulais pas, et après, en fait, je me suis laissé. Fait prendre en mode bon, vas-y, let's go. Saoulé, en vrai. Et après, Nea s'est littéralement suicidé sur le crochet. Donc je pense qu'en fait, elle voulait pas jouer contre moi. Moi, je pense réellement que The Enclos, il y en a qui ont vraiment du mal avec le tueur. C'est quoi ça? C'est quoi cet enfer? Ouais, il y en a qui ont vraiment du mal avec le personnage et du coup, ils préfèrent être quittés, se faire buter. Parce que apparemment, le personnage, il terrorise vraiment des gens, mais pas parce qu'il fait peur, mais parce que genre, des gens trouvent vraiment fort, je ne vous comprends pas. Même dans l'autre sens, c'est-à-dire jouer contre, c'est un dernier tour où j'arrive vraiment à l'éclater. Peut-être que j'ai une espèce d'omniscience ce tueur qui me permet de voir tous ses défauts et tellement que je vois pas ses qualités et que tellement aussi que genre même en tant que suivant j'arrive à le contrer parce que je connais ses points faibles en fait. Je sais pas. En fait très souvent quand Zenkno me touche en tant que suivant, pas dire tout le temps, c'est pas avec son blast hein, c'est vraiment avec un coup. En fait généralement ils essayent, ils y arrivent pas et du coup ils mettent un coup. Ils me bongent.
Je dis pas ça pour me vanter ou faire genre ouais machin et tout. C'est vraiment genre un vrai truc véridique. Je veux oppression. Avec plaisir, madame. En vrai, je vais essayer de ne pas jouer avec ça. Plutôt force brute. Qu'est-ce qu'il y a comme compétence de générateur plutôt rigolote? Pas trop méta ou pas méta du tout. C'est tellement les mêmes paires, quoi. Mais quoi si je joue avec les deux? Bah ouais, oppression, mais oppression, je joue souvent avec. Ouais, je devrais prendre Deadlock. Sinon, je vais me faire marcher dessus. Ce build me terrifie. Oh ouais, il va tester un truc. Ça, c'est un truc de dingue, c'est que 25%. Et c'est que, surtout les... En fait, ce serait que 25%, ce serait pas que les... Les sauts de loupe, mais genre casser des trucs. Juste casser des palettes, hein. Pas, genre, pas les générateurs. En vrai, je trouverais la paire qu'elle est bien, quoi. Mais... Ça, c'est 15%, donc presque autant. Enfin, presque autant. Tout est relatif. Et genre, c'est 15, c'est 15%, et genre, tu bloques le truc, quoi. C'est incroyable. Après, je pense que Dark Arrogance, c'est vraiment fait pour être joué avec une autre perk. De ça. Je vois mal les gens jouer avec, à part pour déboussoler et Super Anatomy, parce que Super Anatomy, en vrai, j'en parle pas assez, mais cette paire qui est pas si mal que ça. En vrai, je pense que, ouais, à part ces deux-là, puis d'ailleurs, je joue ça, mais en vrai, je devrais prendre Super Anatomy, hein, c'est 40%. Attendez. Voilà. Ouais, Super Anatomy, excusez-moi, je disais qu'en vrai, c'est vraiment pas trop mal. Il y a le 8 mètres qui peut gêner en vrai, mais ça va aussi. J'aime bien ce tueur. C'est grave, docteur, de mes tueurs. Je trouve ça super sûr que c'est un couteau à beurre. Vous me ferez pas dire le contraire. En fait, j'aime bien le tueur dans le design, le concept et tout. Et l'idée derrière son gameplay, mais je n'aime pas du tout en jeu en fait. Je trouve qu'en jeu il a trop de problèmes. Il a trop de défauts et pas assez de points forts. Et en fait même ses points forts en fait fonctionnent pas. C'est que de la théorie. C'est trop en fait. Alors oui, il a un canon qui peut tuer survivant, mais il faut que. Et il faut que. Et il faut que. Et il faut que. Et c'est sur un trou où tu fais. Il y a trop de conditions en fait. C'était un fusil à pompe. On t'explique que le premier tir, il affaiblit la personne. Mais si tu retires cette personne-là, genre, ça l'éclate. Tu vois, trop fort. Oui, mais. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, tu te dis, je vais mettre des coups de crosse. Vraiment, c'est ça, c'est je vais mettre des coups de crosse. Je sais pas comment le dire autrement, poétiquement, en fait. On n'en parle pas assez des gens qui mettent aucune offrande pendant les events où il y a des trucs. Après, c'est un des. C'est, je crois, un des rares events où j'ai jamais autant vu de full des parties, mais full offrande. Vraiment. Parce que même le dernier, là, avec les points de sang, je me rappelle que il y en avait 2-3 à chaque fois. Des moments, il y en avait 5, mais c'était. Ah, c'était, je veux dire, rare. C'était pas tout le temps, quoi.
pense que on a vu, hein, mais juste ça voulait. Ah, c'est pas un Tommy, c'est pas activé. Bon, d'accord, elle a couru là vu qu'il y a les traces sur les pneus. J'ai eu peur que je les me traque. Bon, j'ai toujours pas mis de clones. On rappelle que les clones apparaissent plus vite par personne touchée, c'est très intéressant ça. Hein. Là, moins 10 secondes. Et vu ça, c'est cool. Putain, elle a fait vite. Ouais, c'est passé vraiment vite, hein. Hésiter. Mais souvent parce que tu touches sur le bord, hein, vraiment. C'est trop d'anticipation. En fait, le truc qui tirerait plus vite serait moins d'anticipation. Et bon, c'est encore un truc à rajouter sur ma liste de choses qui va changer. Et déjà, je pense que les gens ils trouvent que j'abuse. Donc, non, disons pas trop. Faudrait que je mette des clones là-bas. Monsieur, vous les enlevez. Faut que je cache mes clones. Ce que je faisais d'ailleurs au début quand je jouais le Démogorgon, c'est que je cachais mes portails. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas spécialement la meilleure idée. C'est pas une mauvaise idée en soi, je trouve. Vraiment, mais alors c'est pas la meilleure idée. C'est de la merde. Ok. Heureusement qu'elle enlève pas. Hein. Elle a enlevé au moment qu'elle était pas du tout dans mon champ de vision. Cool, cool, cool. J'adore la vie. Tu aurais pu dire là-bas. Au sol, mais pas un coup de bouteille, mais un coup directement. Oui, mais non! Parce que c'est nul! Bon, rappel, faut pas essayer de sauver ses potes ici, parce que c'est une usine à bugs. Comment ils enchaînent. Après, au début, ils ont pris beaucoup de temps aussi à démarrer. La vérité. C'est con parce que Yui, j'aurais pas essayé, j'aurais dû tirer dessus avec mon canon. Genre, je l'aurais eu quoi. Mais genre trop rapidement. Enfin, eu tout court en fait déjà. Putain, les suivants qui disparaissent en trace de pas, c'est, ça c'est trop magique pour moi. Mais regarde, c'est vrai qu'il y a le A là qui fait vraiment ça pour le coup. Et du coup, pour le coup, j'aurais plus m'en servir. C'est Yui qui enlève pas les trucs.
Alors, viens nous donner une idée. Ouais, genre, j'aurais frappé, elle serait capturée là. Je vais pas essayer de tirer dessus. Voilà, je vais aller mettre un coup de tête comme ça, et puis c'est bon. J'adore, j'ai deux trucs pour les générateurs, je me suis même pas tapé un seul. Par contre, il est où le dernier générateur? Ah là-bas. J'ai littéralement pas vu la palette. Hein. Ah putain, ça pas ricoché bien sûr. De toute façon, notre personnel, le truc ricoche que envie de ricocher en fait. C'est-à-dire quand il va me faire chier. Exactement ce que je disais. Merde, j'ai pas. J'ai déjà vu toi? Oui, si, j'ai déjà vu. Ça me disait rien. Là, on est plus loin. Non. J'aurais bien aimé là un truc là-bas. Putain, je vais ricocher sur le bout. Là. Très impressionnant. J'en ai quand même tué une, hein. Mais là, c'est dans une game. Je vais pas dire que je me suis fait chier, mais. Parce que ça, j'ai quand même pris du plaisir, mais genre. C'est tellement frustrant en plein de moments, quoi. En fait, la game, c'est. En fait, c'est moi, ça qui me saoule, c'est que la game, là, je l'ai joué. Qu'est-ce que j'en retiens? Arrête de tirer avec mon canon. C'est. J'ai loupé au moins deux kills. Enfin, deux kills. J'ai loupé au moins deux crochets à cause de ça. Vraiment, j'ai perdu du temps, du coup. Après, je vais pas dire que c'est à cause de ça que j'ai perdu. Parce que j'ai aussi très peu joué avec ces deux perks là. Là, les deux perks de générateur. Genre, je crois que j'ai pas tapé un générateur de la game, j'ai un doute, mais je crois que non. Ok, c'est pas pour être méchant, mais ça se voyait que c'était PC. Enfin, je dis ça, mais en vrai, maintenant que je vois, je lui dis ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'elle esquivait pas. Par contre, c'est pas pourquoi Yui ne me regardait pas. Et parce qu'elle savait, genre à 10 bases, si je regarde, il va enlever son pouvoir.
Enfin, ça va enlever son pouvoir et il va du coup pas essayer de me tirer dessus. Alors si je me tire dessus, c'est plus facile à esquiver. La strat, hein. Pas bête, pas bête. En vrai, franchement, c'est vraiment ça. Bien joué à toi, meuf. Je suis vraiment très intelligente. Mais c'est vrai qu'il est vraiment partout. Quoique, là, ils sont que deux à l'avoir. Je reconnais qu'elle avait pas, ça se voyait. Yui, moins, par contre. Oui, je pense qu'elle connaissait vraiment bien la map. J'ai jamais vu ce truc à 100%, 150% pendant l'event. Pour lui, tu vois. Oui, il était au était à 6, ok. J'aurais pu recliquer là pour le voir, mais bref. J'ai même pas joué de raid de l'event. Triste, hein. C'est peut-être, c'est longtemps que j'ai pas joué, j'ai pas envie de la rejouer là, mais c'est longtemps que j'ai pas joué. Je me fais la mort. En vrai, il manque un truc doré, c'est bon. En plus, elle a des skins dorés. Attendez. Ah non, je crois que c'est doré, ça, pardon. J'ai rien dit. Ça rend pas mal, quoi. En vrai, pour une raison que j'ignore, je n'aime pas trop ce skin. Je peux pas vous dire pourquoi, je sais pas moi-même. Je sais pas, il y a un truc, je trouve, qui est trop basique, trop simple. Ouais, non, en fait, y'a rien qui va. Tu vois, y'a les cheveux qui changent avec ça. Ouais, la coupe. Ah, Yukiona, c'est à part. Je peux séparer. Donc, je peux juste avoir la lame de Yukiona. En fait, on peut dire ce qu'on veut, c'est un des meilleurs skins pour Spirit, hein, je trouve. C'est un skin où il y a le plus de travail. En gros, il est très basique. Hein. Alors, c'est vrai que regardez, il y a le bandage comme sur la version de base et tout. Ouais, oui, c'est un des skins qui rend mieux. Même des bruitages différents et tout. C'est vrai que là, les gens ils s'extasient maintenant quand il y a des bruitages différents, mais déjà à l'époque, hein, ça existait et les gens ils disaient rien. Sur Spirit, on va le jouer parce que la prochaine fois, c'est sur elle et moi j'aime bien le jouer donc c'est cool. Est-ce qu'on joue survivant ou on continue un peu tueur? Bon, une petite game leash quand même. I shall make this place my... C'est mon but de modifier. Ça, je le garde. Bamboozle, c'est beaucoup trop bien sur ce tueur. Je vais mettre deadlock pour être sûr de pas me faire prank. Attends, c'est vrai que je suis pas bien une catégorie. Il est ici, deadlock. C'est fou que je sais où sont les trucs quasiment. J'en sais qu'il est en 5, l'étal poursuivre. Et voilà. En 3, il y a Fire Up. Voilà. Force Brute, il est en 1. Ouais. Voilà, Overcharge, je crois qu'il est en 6 ou en 7, j'ai vu. Ouais, il est là. 9, je sais que souvent il y a Windows of Opportunity en tant que tueur, il y a un truc de Leatherface, il me semble, bref, je sais plus c'est quoi. Et attends, il y a quoi d'autre que je triche pas? Il y a quoi en 9 déjà? Je crois qu'en 9 il y a rien de trop intéressant. Oui, d'accord, dans ça du coup en 8. Non, il n'y a pas de truc de Leatherface.
Et oui, il y a les trucs du pneu. Ah, il y a ça, c'est vrai. J'ai oublié. Non, il n'y a pas le truc de... il y a pas un truc de Leatherface? J'ai confondu? Ce tueur, je veux tellement un vrai skin où c'est une niche, genre avec un squelette, que ça a vraiment un squelette et tout. Terminus, ça doit être rework. C'est le perclin en vrai qui est pas trop mal, mais qui pourtant n'est pas joué. Voilà. En fait, t'aurais fallu que l'effet dure après l'avoir accroché. Genre même 2 secondes ou 3 secondes. Ou alors, il aurait fallu que l'effet s'active genre lorsque t'es à un, genre un rayon de 2-3 mètres de la personne qui est à terre. Et d'un coup, tu vois autour de toi. Avec Nak, qu'est-ce que j'ai drôle ce tueur. Allez, mets-toi prêt! C'est qui va prêt là? Putain Nicolas, j'ai tellement déglingué ta mère. Je dis ça mais je les oublie en fait. Les gens qui switchent de perso pour prendre un perso genre P100 ou un P très élevé, c'est que les tueurs ont vraiment pour habitude de quitter s'ils voient un P100 ou pas. Après, j'avais lu que les gens disaient qu'ils faisaient ça aussi parce que les tueurs prenaient souvent des morilles et qu'ils voyaient des P100, des trucs de pute en fait, d'essayer de jouer comme une pute. Genre avec des bulles d'enculé et tout. Toba Landing. Et je crois qu'on joue à Toba Landing, c'est pas des vraies parties en fait, c'est des sketchs. Bon, c'est des parodies en fait de parties. Ouais, t'es gueule. C'est vrai que j'ai très peu vu Vecna en game survivant. Je suis vouloir jouer friendly. Il est passé dessus. J'ai tellement vu que ça lui passe à travers. C'est pour cet endroit-là que les boussoles sont importants. Bon, par contre, tu sens la différence quand t'as pas l'autre. Non, il y aura le temps. Moi, j'aurais été survivant, j'aurais jamais eu le temps. Alors, je donne l'info comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Alors il y avait peut-être qu'il y avait la main qui donne la hâte. Putain, j'ai tapé le truc.
quoi est-ce que j'ai mort. On m'embrasse. J'ai failli louper le bâtard. On rappelle que les gens qui font ça, ils se basent sur le fait que tu as un PC lent. Hein. Vraiment. Sinon la technique ne marche pas. Les gens ont même fait une vidéo pour en parler. Mais comment t'as prévu ça? En plus, il y a un petit boost de vitesse, le bâtard. Genre, comment tu prévois ça, quoi? Bill, quel perso que je jouais dans les Left 4 Dead. Au début, je jouais beaucoup Louis. Et après, je me suis mis à jouer... Je pense que je me suis vraiment loupé, je voulais pas faire ça. Ouais mec, t'es greedy là. Le pire c'est qu'il a quand même réussi certains trucs hein. Au moins en tant que survivant, le tueur, je vais faire un tour grand max, je me fais éclater. Et je me demande mais comment ils font. Eh mais non. Je l'ai vu qu'à la fin. Après Bill joue comme un con, genre j'ai gâché mes fantômes en moment. Là, pareil, j'aurais dû les envoyer, mais j'hésitais. Ça faisait trop vite. Par contre, décrochez-les, hein. Je vous jure, hein. Sinon, c'est pas drôle du tout. Hein. Parce que Nico Esca, tu m'as bouffé deux crochets. Hein. Quelle partie de con. Quelle méga partie de con. Bon voilà. Ce que je disais en fait au début, les games avec Vecna, souvent, c'est pas des vrais games, c'est des les games avec Vecna, pardon. Les games sur Toba Landing, souvent, c'est des parodies. Je sais pas pourquoi. Hein. Maintenant, quand je tombe sur Toba, je suis rassuré. Parce que je me dis que je vais bien rigoler. Allez, chape-toi, toi. Le problème, c'est que si tu la laissais, genre, volontairement passer, elle allait le voir et elle allait croire que j'étais un friendly, puis ça allait faire comme tout à l'heure, où les mecs croient que je suis friendly, et du coup, ils font des GG, quoi, c'est cool. Putain, Bill doit avoir tellement le seum, parce que Bill était bon, quoi. Du coup, je jouais comme un con, du coup, il a dû se dire, putain, quelle merde. Le tueur, c'est de la merde et on perd. Bill, comme je te comprends. Tu ne peux même pas savoir à quel point. Et le pire, c'est que juste avec des games comme ça, les tueurs après ils vont dire « Oh putain, Vecna est trop fort, cheaté et tout. » Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui prennent des games comme ça comme exemple pour dire qu'un tueur est trop fort. Je me rappelle d'avoir joué avec des gens contre un trappeur, et genre ils avaient dit « Ouais, le trappeur est trop cheaté. » Alors que dans la game, genre, on n'a pas vu un piège. Je crois qu'à juste à la fin, quand c'est pris un piège, c'est tout. Genre, mais les gars, vous êtes fous, le trappeur, c'est le pire tueur. Littéralement, il joue quand les mains attaquent. Je leur ai fait la remarque, on n'a pas vu un piège. Genre, vraiment, toute la game, il y en a deux qui ont claqué. Parce que quelqu'un les a fermés, donc on a vu claquer. Et à la fin, il y en a un qui s'en est pris un. C'est tout. Et de toute façon, il restait plus que lui. Il y avait une personne à terre, il y avait lui, c'est tout. C'est marrant qu'il y ait des cartouches de fusil alors qu'en vrai. Voilà quoi. C'est un harpon. Après, il me semble qu'il y ait quand même des cartouches des Slinger pour tirer. Pour que ça pète. Et ça, des cartouches comme ça, c'est que c'était déjà comme ça à l'époque. C'était déjà rouge et doré. Ah ouais. C'est possible, je sais pas. Je suis pas un spécialiste en flingue, je vous avoue. What secrets does this realm hold?
Il y avait un truc qui me dérangeait dans le build, je sais plus c'était quoi. Non. Bon, on fait une partie comme ça et après on va jouer survivant. Je sais pas quoi mettre sur Vecna, du coup j'ai mis ça, je pose la question. En vrai, c'est un des meilleurs objets, je trouve, pas le sword. Vraiment, j'ai jugé les objets. Lui, il est pas mal, mais il faut le combiner avec lui. Ça dépend des maps aussi après. Lui, il est vraiment pas mal. Oui, lui, il est vraiment pas mal aussi. Ça c'est sympa. Ça c'est sympa aussi en vrai. Ah ouais, ils sont sympas les objets avec là quand même. Même ça c'est cool en vrai. Ça on s'en fout. Ça c'est sympa. Ça c'est très sympa en vrai. Donc ça c'est pas, ça, moi ça devrait pas être marron, ça devrait être plus hein. Jaune voire vert. Hein. Bizarre ça. Je sais plus trop quoi en penser. Le pire objet, je crois que c'est les bottes là. Ouais ça. En gros pendant 2 secondes tu vas plus vite quand tu utilises la mage hand. J'avais testé plusieurs fois contre des bottes. Et en fait le bonus tu en profites pas parce qu'en fait il s'active dès que tu mets la mage hand. Le problème, c'est que dès que tu mets la mage N, t'as ralentissement. Donc en fait, le bonus de 5%, tu l'as pas. Enfin, le bonus de 5%, ouais, ça, tu l'as pas en fait. C'est complètement débile. Ça mériterait même pas d'être marron, quoi. Parce que 2 secondes et 5%, faut pas déconner, quoi. C'est bon. Non, mais je pense réellement que les développeurs surestiment de trop fou la hâte. Comme il surestime trop de fou le statut indétectable. D'ailleurs, pour preuve, hein, pendant longtemps, les pires tueurs, c'était les tueurs indétectables. Hein. Je crois qu'il y avait une exception, mais. Genre, le spectre était très, enfin, a souvent été reconnu comme un mauvais tueur. Aujourd'hui, ça va, mais avant, c'était un mauvais tueur. Pig, pareil. Même encore aujourd'hui, Pig, c'est pas fou. Sadako, pareil. Même conclusion que pour Pig. Ghostface, il est nul. Enfin, faut le dire, c'est triste, mais c'est vrai. Demogorgon, il peut pas vraiment être jugé comme étant indétectable. Non, non, mais il surestime trop de fou le statut indétectable. Alors qu'en vrai. J'aime bien cette map. Avec lui surtout. De base, c'est une map que j'aime pas. Mais c'est certains tueurs que j'aime bien. Genre que le clown, j'aime bien. Après, avec le clown, je trouve qu'il y a beaucoup de PR. Enfin, beaucoup de PR, non, en tout cas. Il y a beaucoup de maps qui sont ok. Déjà, j'entends que je vais très vite. Mais oui, c'est vrai. Cursed flame. Hé, hey, mais attends. T'as quoi dans la main? Ah ouais, ça fonctionne comme ça? Je savais pas. Enfin, faut que tu te l'enfiles. Mmh.
pas, j'ai jamais eu. Par contre, j'ai déjà eu un mimic. Une fois en vrai, vraiment. C'est le salon. Ça intéresse. C'est pas l'anticipation qui anticipe ça? Ce que tu vas faire, Isa. Franchement, le tueur, je trouve vraiment sympa. Il apporte vraiment du nouveau. En fait, c'est fou parce qu'il a 4 pouvoirs et c'est tous du jamais vu quoi. Là où beaucoup de pouvoirs de tueurs aujourd'hui, ce que je trouve normal, est un peu des redites d'autres pouvoirs quoi. Genre, c'est déjà été une 10 000 fois, mais Ghostface c'est un peu Myers. Blight et Wesker, bon, c'est des dash quoi. Enfin, pareil, c'est pas pareil, pas même mécanique, mais c'est des dash quoi. Je vais avoir chance quand même sur la fin, je vais ralentir. Incroyable ce tueur. Vraiment, ce que je joue, je m'éclate. Même quand je me fais éclater, genre, je m'éclate. Alors que j'en ai rien à foutre de Donjons et Dragons. Et ça, c'est plutôt unique. Hein? Attends, mais Jake, comment t'as fait? Vous allez me dire que Jake ne se téléporte pas. J'essaie de me convaincre de ça. Ça va tellement manquer les trucs là, les enveloppes en vrai. Ça permet tellement d'éviter des techniques cancer et en tout jeu, je trouve. Au style de péter les crochets comme ça, comme des connards. En vrai, si je devais avoir un super pouvoir qui servirait que quand je joue à DBD, ça serait vraiment genre le. Espèce de retour dans le temps quoi. Genre, je vois comment les gens jouent et j'adapte mon build. Donc en vrai, j'essaie de se baisser, mais bon.
Ah, il peut faire ça. D'accord, je sais pas. Non, c'est trop grave ça. Ah, je vais passer. En plus, il cherche pas à les esquiver, donc c'est gratuit sur lui, quoi. En vrai, Deadlock tout seul, petite parenthèse, c'est pas si bien que ça. Hein. On t'a compris que ton pote il savait pas jouer. En fait du bruit. Ok. Ok. Le jeu est tellement injuste. Déjà qu'il m'empêchait de faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire tourner à gauche, je sais pas du tout avancer tout droit. Le jeu est tellement injuste que genre. Je sais ce que je veux dire. Je vous jure, c'était pertinent. Genre, il m'a fait. Ouais. Genre, j'ai esquivé la palette. Et il m'a obviously, mais vraiment obviously. Genre décalé vers la palette quoi. C'est trop grave. Ouais, c'est beau. C'est Easer, je crois que j'ai jamais vu, non? Si, si, j'ai vu. Il y avait la. Je crois que c'était là-haut. Je vais défendre. Si, si, j'ai vu, j'avais vu mettre le gant, c'est vrai. Je peux recover l'artefact. C'est sûr, Steve, il a un truc de con. Je suis content de récupérer mon truc. J'ai pas envie de me faire Steve-ed. Your life.
La game a commencé trop trop bien. D'un coup c'est parti en couille. Et à la fin je suis à me rattraper. Incroyable. En fait j'aime bien parce qu'ici tu peux les niquer comme ça en fait. Le problème c'est qu'ils sont pas passés par là. Non, c'était quoi leur build? Ça, c'est original. Les trois ensemble sont bien, je trouve. Ah, l'effet d'endurance, du coup, elle l'avait pas. Bon à savoir. Parce que du coup, ça, je leur prive complètement en fait. En vrai, franchement, ça se voyait ça. Il y a quand même beaucoup de distorsions, j'y croyais pas, mais c'est vrai en fait, il y en a 3 là. Distorsion, alors que j'ai ça. Est-ce qu'ils ont réagi à ça d'ailleurs? Non, même pas. Dire putain, mais qui joue avec ça? Moi. Absolument moi. Ouais, par contre, ça c'est abusé, je trouve. Ouais, genre je vais priver de ça, je vais priver de ça. Language Touch, c'est vraiment trop bien, je trouve. Mais Deadlock, je sais pas, ça me plaît pas trop, en fait. Je sens que ça les a ralentis, mais... En vrai, je devrais enlever Spy from the Shadow, mais je trouve ça cool pour les repérer, du coup. Si ça va bien ensemble. En fait, avec Spy from the Shadow, je sais toujours où sont les survivants, ça c'est cool. Même si mon problème, c'est pas de les trouver, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu du caviar, alors que je pourrais manger juste de délicieuses pâtes, qui seraient bien plus nutritionnelles que du caviar. Sachez que j'ai déjà mangé du caviar et sachez que c'est ultra salé. Au soin de ce bourgeois. Spy from the Shadows, en vrai je pourrais l'enlever. En vrai je pourrais l'enlever par quoi. Mais du coup je peux enlever Deadlock et mettre Oppression et Et genre autre chose quoi. Ou alors je garde Deadlock et je mets Oppression. Je sais pas. Ça mélange avec quoi sur sinon? Je sais pas grand chose je pense. On va taper le fameux Generators. Y'a pas beaucoup de paires qui donnent des effets après avoir cassé une palette. Enfin si ça existe d'ailleurs, attendez. Je pense que quand tu tapes palette t'as ça. Deux notes affect palette. Ah oui, ok. Ah, ça marche sur les palettes, ça du coup, c'est pas écrit. Voilà, il nous faut une Waven. Si t'as ça. Enfin, entre guillemets, t'as ça. Je suis pas d'accord pour dire. Et t'as ça. En vrai, t'as deux perks de Skull Merchant, c'est tout. Si on dit qu'en France, je suis vivant. Ouais, au pire, on s'en fout. Ça fait qu'il faut passer par là pour jouer sur les grands. Je trouve ça tellement nul à chier. Sable que je pensais beaucoup jouer, finalement, je joue pas comme ça. C'est moi, mais en version améliorée. Ah. Je
Deuxième fois que je vois aujourd'hui, alors que je voyais rarement d'habitude. J'ai pas vu c'est quoi mes pertes. Clochardité quoi. C'est vraiment tout le monde a son verre de champagne premium et t'as un type avec son petit verre de champagne. Même si je vous révèle un truc. Et je pense que je ne suis pas la seule personne qui est d'accord avec ça. Entre un verre de champagne. Le plus bon possible, le plus bon que tu veux. Enfin, le plus coté que tu veux. Et du juste très bon champomy. Je préfère le très bon champomy. Intervention maléfique, ce serait original. Écritures. Un espace, moi. Alors, vous savez, intervention maléfique, je trouve ça pas si dingue comparé à. Ah putain, ça c'est une autre bien. Pas si dingue comparé à. À Deadlock, je trouve que Deadlock c'est vraiment une meilleure version. Mais en même temps, je suis assez contradictoire là-dessus parce que je dis souvent au début et encore maintenant que poursuivre un meurtrier c'est une des meilleures pertes. Juste pour le fait que tu peux voir les trucs en sont dès le début. Quand t'as l'intervention maléfique, t'as aussi à trouver les survivants clairement. Même ça m'est déjà arrivé de chercher les survivants tout le temps complet de l'intervention maléfique, hein. Sachez-le. Moi je veux dire un truc, pour moi la meilleure strat intervention maléfique quand tu es survivant c'est de se cacher. Cette dame est en colère. Ah, se fait décrocher. Meuf, ça fait saucisse. Vous avez la blague. Mais c'est une passion être tous des demeurés ou. Ah, mais c'est la paissance, c'est pour ça. Donc rien de plus normal en fait. On rappelle que les paissants jouent un autre jeu. Où ils sont très mauvais. Il m'a laissé. J'aurais dû m'accroupir pour remercier. Je suis comme ça. Je vais me soigner. Oui.
va être là-bas, c'est sûr. Il va être là. Ils vont se train de louper là-bas, vous allez voir. Ils sont vraiment en train de louper là-bas, je veux bien dessiner demain. Je vais passer ma journée à dessiner. Bon, vous avez vu dès qu'il a déposé son clone, Chanteur s'est arrêté. Bizarre ça. Hein. Oui, ça va bien plus vite que quand quelqu'un me soigne. Hein. Ça, j'ai perdu beaucoup de temps à venir là, d'accord. Mais bon. Il fait quoi depuis tout à l'heure, Blue Raven là, je vois qu'il fait rien. Putain, il est là, regardez, je vois marcher cet abruti. J'ai ramassé des totems. Je me fais plaisir. Dans une confiserie, genre tout volé. Ah, il s'est quand même déjà fait accrocher, pardon. Je t'en prie. Ah, salut toi. Il se comme. Je vais soigner. T'as la paix sans quoi, j'ai tellement de signal par contre. En fait, les paix sans, j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais je sais pas trop comment expliquer en fait leur façon de jouer en fait. Déjà souvent, ils sont trop greedy et ils font trop de moves bizarres, tu sais pas ce qu'ils font. Et ensuite, c'est les mauvais joueurs, mais ultimes. Ça, c'est pas complètement vrai. Mais un peu. C'est pas complètement vrai parce qu'en fait, il y en a aussi beaucoup. Genre, ils sont super sympas en fait. Je me fous de la gueule souvent, mais les nets sont super sympas. En fait, on dirait des gens qui découvrent le jeu, mais qui connaissent en même temps le jeu. C'est trop bizarre à décrire en fait, leur façon de jouer. C'est des gens, genre, ils ont vraiment été genre. Le cerveau les a ravagés mentalement, quoi. On détruit leur âme. J'espère un jour, moi aussi, être patient, peut-être comprendre pourquoi ils sont comme ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai pris son collier. Et en fait, il y a des trucs comme ça à chaque fois. Mais putain, gros fils de pute! En plus, il me bloque quoi! Pardon. Faut que j'aille insulter mes mates. Je trouve que les gens ils me regardent en live et ils doivent être trop contents. Et d'un coup, je les insulte. Ils vont dire, mais quel enculé au swan! Sachez que je parle à mes mates comme si c'était des bots. Alors pour moi, c'est pas des joueurs. Ça m'aide aussi à mieux vivre cette situation. Putain, mais ça serait resté autre, on aurait tellement win quoi. Regardez comme il galère à capturer les gens quoi. Putain, j'aurais été. Comment j'aurais tiré quoi. Ah, pas de TP. Je vais le louper. Tu sais qu'il arrive là.
Ah oui. Mais bon, avec cette tache noire de merde qui existe toujours. La tache noire, je me rappelle que j'en s'en plaignais au début quand j'avais commencé. Jusqu'en 2019, je vais dire. Mais après, genre, plus personne. Comme ça t'empêche. Tu vois bien le blanc. Je prends une chip sans récompense. Oui. Il est où? Ah, il est où? Je vais faire des points. Ah merde. C'est cool ça. Non mais regardez. Ça que je dis, en vrai, donnez-nous des points avec les pertes quoi. Mais moi je sais qu'une des mes raisons de principales de pas voir jouer survivant, c'est parce que les points de sang sont minables. Je dis souvent, mais c'est la vérité. Tu fais pas points de sang sans survivant. C'est pour ça d'ailleurs j'aime beaucoup jouer avec des pertes style style Boon quoi, parce que Boon ça rapporte des points plus. Allez! Alors, ça disait des trucs et des tueurs. Maintenant, je sais pas trop. Parce qu'il n'y a pas de vidéo. Ah, si, une vidéo! Ah non. J'ai cru, pardon. Je me rappelle d'un événement Halloween qui disait blight quoi. Quel teasing quand tu sais qu'aujourd'hui c'est un des meilleurs tueurs du jeu. Apparemment MC Billy est devenu meilleur. Bon ça en vrai je sais pas trop. J'avais les mains.
Sinon, j'ai une terrible nouvelle à vous dire. Ma cheminée ne marche plus, mais ça fait quelques semaines en plus. Ça fait genre une semaine et demie. Je dis quelques semaines, ça fait une semaine et demie. Putain, je le pose juste et le truc s'en mêle, quoi. C'est possible. Vraie question, on continue ou pas? Je sais pas. On va faire le truc. Et on va voir si j'ai encore envie ou pas. Sky, ça fait que même pas 2 heures de live en fait, je me rends compte. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on stream en fait, non? Parce que. Il s'est pas passé grand chose. T'as un peu le seum que Vecna n'ait pas un tome à lui. Parce que franchement, j'aime tellement le tueur. En fait, Vecna, ma peur, c'est qu'il est pas. Il reçoit pas plus d'amour en fait. Je pense pas, au contraire, je pense que s'il y a bien une licence qui va recevoir de l'amour, mais souvent c'est. C'est Donjons et Dragons. Pour moi, c'est une licence qui est plus libre en fait. C'est pas une grosse licence, c'est une grosse licence. Alors, je pense même que c'est peut-être une des plus grosses licences actuellement en jeu, mais. Genre, c'est pas comme. Je pense que c'est pas comme Alan Wake ou Alien où il y a beaucoup de restrictions et tout ça. Là, je pense que Donjons et Dragons, il doit avoir quand même plus de champ libre. C'est un jeu qui fait appel à la créativité, à la liberté et tout, enfin. La fantaisie, je pense qu'il aura des skins, des tomes et tout ça, quoi. Pareil, j'espère qu'il y aura des variants. J'ai vu des gens dire qu'il y aura peut-être des variants de traces et tout, d'autres personnages. En vrai, j'espère aussi. Attends, j'ai vu que Zarina elle avait une tenue bleue. Du coup, ça m'inspire de choses. J'avais déjà mis une tenue qu'un masque et tout. Zarina, j'ai déjà dit, on a très peu joué en vrai le perso du coup. Je vais manger aussi parce qu'on sait qu'il faut pas. Quoi la base de truc? C'est ça? Putain, c'est trop beau. Pourquoi personne ne la joue? Zarina, je suis étonné que personne ne la joue parce qu'en vrai, c'est littéralement un des personnages les plus stylés du jeu, quoi. Genre physiquement et enfin, les skins, tout, je trouve que c'est vraiment genre le genre de perso que les gens adorent. Mais non. Genre, elle a vraiment des skins de dingue et tout ça, mais non, non, apparemment. Apparemment, ça ne plaît pas. Putain, j'ai envie de la prendre comme ça. Alors, ça en a quoi la variant normale? Oui, c'est vraiment la même en fait. Hein. C'est vraiment la même couleur et tout quoi. Moi j'aurais pensé qu'Eddie Priest à chaque fois serait une couleur différente. Après, ce qui me plaît, c'est qu'ils sont souvent. Ils s'accordent souvent bien au masque donc. Putain, y'avait quoi d'autre? Ah, ils disent attendez! Réduit les grognements de douleur, les bruits de pas, les actions rapides, donc tu vas moins vite, ok. Et les flaques de sang de 100% pendant 15 secondes. Ah oui, d'accord, c'est vraiment de la merde en fait. Hein. À part pour les traces de sang, c'est vraiment de la merde en fait. Ok. Non mais je note. Mais ça, je suis d'accord pour dire qu'en vrai, ça devrait être un mode. Il devrait faire un mode compétitif et mettre ça en fait en place. Parce que ça permet vraiment d'éviter des stratégies et de donner plus d'outils, de donner plus de variété aux parties quoi. De toute façon, là, s'il fallait vraiment mettre des modes de jeu rapidement, c'est un mode de tueur. Mais ça va arriver. Un mode. Si mode de tueur, c'est le chaos, je vous le dis maintenant. Un mode. J'arrive pas à parler. Compétitif et le mode classique, quoi, comme on a actuellement. Et un mode compétitif avec un truc comme ça, ça serait top. Enfin, pas ça, genre, c'est ça, non, mais genre, les trucs comme ça, là, oui.
Ou genre en fait on y aurait des trucs, genre des trucs qui nous rendraient le truc plus compétitif en mode genre on peut décider de bloquer des percs ou de comment dire. Je sais pas trop. Genre qu'il y a des maps, que certaines maps, genre qui sont vraiment dites comme étant équilibrées et tout, enfin. Genre qu'on n'a pas le droit de mettre d'offrande de map aussi par exemple. Ça, des trucs du genre quoi. Que les objets soient limités, pareil que les tueurs et les accessoires soient limités pour certains. Et des combos un peu trop infâmes. Même si je pense que bon, les tueurs, en vrai, je sais que je dois faire rager des gens, mais. En vrai, faut pas savoir à quel point s'il y en a bien. Il y en a bien un entre les deux qui. Qui s'en prend plein la gueule, c'est bien les tueurs. Alors le masque des jumeaux est magnifique, c'est dommage que il y a quasiment rien qui va avec, à part une robe moche. Mais déjà il y a une robe moche. C'est vrai. Very hard. Ouais voilà. Alors par contre ouais, c'est vrai que le masque en honte est vraiment joli. Bon son vieux chapeau de merde mais. J'ai envie de mettre un petit masque à Victor, ça aurait été trop beau. Les main jumeaux qui sont deux hein, bien sûr, ils demandent tellement ça en plus. Là il était déjà un masque, alors ils vont se méfier parce qu'il y a une capuche. J'en ai pas. Je suis d'accord pour dire que c'était là d'ailleurs. Trop bien ce skin. Blake joue pas assez mais en vrai j'aime bien le tueur. Même si je joue mal, j'aime bien le jouer. C'est que son thème est incroyable. Hulking Biome, c'est quoi ce nom? J'aime bien la canne en or. En vrai, avis très personnel, mais je trouve que Blight a une des meilleures musiques de menu. C'est pas la meilleure musique de menu. Mais ils font une tier list de musique, en vrai, peut-être que je devrais. Hein. Moi, ce qui me serait grave, par contre, c'est qu'il n'y a pas de sangle pour tenir. Du coup, le masque, il tient comment, en fait? Il flotte? Bon, c'est magique. Ok. Je vais dire ok. Parce que Tractor est stylé aussi. Ouais, il est bon. Tellement beau que j'ai mis sur tous ces skins quasiment. Chevet de la mort. Osez me dire que non. Eh, ça matche bien, n'empêche, hein. Donc à la base, le haut de la tête, je sais plus c'est quoi, c'est ça, non? Ouais, je suis moins fan. C'est tellement mauvais le truc, en vrai, tout ça, il revient tellement loin. En vrai, meilleure musique de menu, c'est qui? Chevalier, je pense. Alors, Chevalier, je pense, c'est top 2. Blight, top 1. Et après, je sais pas. Chucky, Snowbit se ressemble trop. Après, je pense que l'inspiration, c'est la même. C'est genre musique. Putain, par contre, j'ai eu un monture entre Snowbit et Chucky. Moi, Snowbit, c'est un tueur récent, quoi. En fait, t'as pas l'air. Ouais, l'inspiration c'est la même. Hein. Chucky c'est tellement cool d'avoir un jeu. C'est le vrai doubleur. J'oublie le nom. Putain, Tiffany, c'est quoi le nom de la doubleuse? Je l'avais en plus. Je sais plus.
La blonde. Je la suis sur Insta. J'ai oublié son nom. En fait, c'est post tellement random. Tellement cool d'avoir. Enfin, vraiment, je répète, tellement cool d'avoir Chucky. Est-ce qu'il me faut aussi. Je joue pas assez, elle en vrai, je l'adore. Hein. Ah, y a pas une version. Ah, si. Voilà, regardez. J'aime bien. Qu'est-ce que j'avais gueulé quand elle est sortie, juste pour le design. Et après j'ai joué, je fais ah c'est con ce qu'elle est drôle à jouer. Et après elle a eu des skins. Mais je maintiens, vraiment, pour moi c'est pas juste une théorie, hein, c'est une vérité. Ils ont volontairement sorti un skin hideux pour la tueuse. Pour faire acheter des cosmétiques à des gens. Parce que je suis désolé, tu regardes ces skins. Et tu regardes son skin de base, je vais pas vous montrer, mais genre voilà. Skin de base, qu'un truc comme ça. Tu regardes son skin de base. Et genre, tu regardes ses skins alternatifs. Genre ça. Incroyablement stylé. Ça, pareil, mais. Des plus beaux skins du jeu, pour de vrai. Je pèse mes mots. Genre ça. Qui est pas mal en vrai du tout. Qui a vraiment un vrai flow, je trouve, de meilleur que skin de base. Et même ça, qui pareil, trop beau ce skin, je l'ai pas, mais trop beau ce skin. J'aime juste pas les lames, lames trop bizarre. Et lui, j'ai aussi un peu de mal. Pourtant, lui, c'était vraiment le skin de base quand il est sorti, mais. En vrai, Dinguerie, quoi. Même si là, je préfère la lame de. Je préfère la lame de base. J'aime bien la lame de base. J'aurais que deux petites lames comme ça, je trouve qu'un petit côté vraiment stylé. On retrouve là d'ailleurs, j'aime bien aussi. C'est une de l'homme le plus joli d'ailleurs du. Enfin de tout de ce qu'elle a. Les griffes que ça j'aime bien aussi, c'est un petit style. Ça c'est rigolo. Mais pareil, le thème du menu, je suis pas fan. Enclos j'aime bien, c'est un peu répétitif et j'aime bien. Ah mais ça avait plus musique pour Leatherface ou pour Billy. Je vais mettre plus dur, je t'aurais pour Enigno. Parce que ça, ça ne l'est pas vraiment. Singularité, je sais plus trop ce que c'est. Si ça va, sympa. Je suis dans des postes. Il n'y a pas un masque lui? Oh, mais il est moche, je crois. Ouais, c'est ça. C'est dingue qu'il a un masque, n'empêche. Imagine, il sort des masques à des tueurs style Nemesis, Sadako, Wesker, Smobit. Ça pourrait être rigolo. Smobit, je verrais bien avec un masque. Quoi. Même Wesker, ouais, ça me dérangerait pas. Genre mode lunettes, quoi. Elle en a un pour le coup qui est le plus laid des skins du jeu, genre sans débat hein. Vous ne gagnerez pas ce débat, c'est le plus laid de tous les skins qu'elle a. Il est immonde, c'est vraiment genre qu'est-ce qui s'est passé, on dirait un cosplay raté. D'ailleurs j'ai vu personne jouer avec, j'ai vu personne de dire que c'était trop cool quoi. Vraiment c'est qu'est-ce qui s'est passé. Le coup de problème c'est que j'ai rien à mettre avec. Pourtant il est trop beau son masque. Hein. J'ai vu les gens dire comment dire
qui disait quoi, ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas une tenue qui va avec. En vrai, c'est vrai. Pour le coup, alors c'est cool parce que Xenekno, j'aime beaucoup, hein, mais ça aurait été tellement bien que le clown ait vraiment une tenue avec son masque. Si j'ai testé, ça rend plutôt bien. Ça va, ouais, non, ça va, ouais, ça va. J'aime ce skin parce qu'il est dégueulasse. Ça par contre, il est vraiment trop beau. J'ai beaucoup joué le clown juste pour ce skin, sachez-le. Y'a pas de vanne. Je suis juste pas fan du couteau, je trouve qu'il va pas du tout avec le skin, il va aucun skin. Et le fait qu'il le tienne vraiment par le bout, mais limite il tombe quoi. Trop bizarre. Il tienne pas directement vraiment bien par le manche. Donc souvent je joue avec d'autres couteaux. C'est pas que ça qu'elle a un skin, ton œil. J'ai pas un truc qui va avec. Je crois que j'ai plein de skins en vrai, je n'ai les dorés en plus. Ça rend plutôt bien. Franchement, on manquerait plus qu'il soit bleu, c'est parfait. Hey. Il y a un vrai truc là, non? Non, c'est sneaky avec ça, ça. Par contre, vraiment, premier degré, j'aime beaucoup ça. Ah, il faut que je regarde. Ah, je crois que j'ai un truc qui va avec. Parce que je ne joue pas. Skin magnifique. Et je l'ai embouti d'ailleurs. Anecdote rigolote, c'est la première chose que j'ai passé le niveau, le prestige 10. Quoi, je voulais la jouer. J'ai beaucoup de points de sang et du coup je l'ai passé. Je voulais débloquer toutes les perks et du coup je l'ai passé prestige 11 en fait. Voilà. Ah non, je pensais que la robe était dorée. Oh déçu. Oh. Ok. Le whitewashing de cette tueuse. Ah, elle a déjà été forte dans l'histoire de DPD. Je sais pas. En fait, en théorie, elle a dû être efficace le premier jour, enfin les premiers jours de sortie, mais sinon, est-ce qu'elle a vraiment été forte? Moi, je considère vraiment après un mois, tu peux juger un tueur, parce que les gens connaissent. Et même moi je suis sympa, ouais. Ok, un masque de tueur aussi que j'ai pas vu. Docteur, mais docteur, on s'en fout. Oni d'ailleurs a trop stylé ce masque. En vrai, le plus beau des masques c'est lequel? J'ai envie de dire chevalier, mais tu vois. Non, j'aime bien. Trapper, ils auraient pas mis l'espèce de truc là, bizarre là. Sur les côtés, truc noir, ça aurait été tellement plus beau quoi.
Ouais. Sans juger mon affect pour les tueurs. Je pense que le plus beau, ça se joue entre Deathslinger, Chevalier. Et par exemple, sans compter les skins complexes, c'est la triche. Et je dirais Plague en vrai. J'aime bien du monde, comme c'est que t'as vraiment rien qui va avec quoi. Parce que par contre, sinon, ce qui ne compte pas l'anniversaire, si on compte, c'est une clou qui gagne en haut la main. Et oui, je vais prendre en compte là-dedans Ghostface. Et Pig, mais mon Pig, c'est le plus laid de tous. Petit morceau de chips quand tu sors. Non, en survivant, c'est qui? Non. En survivant, moi, c'est. C'est Gabriel. Non. Ouais, c'était lui. Ah, ouais, non, mais de loin, c'est Gabriel, je pense. Il n'y a pas de débat, c'est Gabriel, le meilleur. Ça me fait marrer de me dire maintenant qu'en fait à la base j'ai sorti d'un portail et je l'ai oublié. Et que ça va être corrigé au prochain patch. Parce qu'on dirait pas en fait. Ah non, tu sais, tu te dis oui, c'est évident. À la base, tu sais pas. Et là, je me dis, il y a peut-être des infos comme ça qu'on n'a pas. Qu'on devrait avoir. Malheureusement, l'événement finit vraiment demain pour le coup. Parce qu'il disait il y a 3 jours que c'était dans 2 jours la fin, mais non, hein, du tout. L'événement, il me semble que finit vraiment demain à 17h. Mais il est magnifique ce scène. Je sais pas s'ils mettront des thèmes au suivant, rétroactivement, vu qu'ils l'ont fait pour les tueurs. Est-ce que Zarina un jour va avoir son thème à elle? Qui sait? Je suis désolé parce que j'ai pas mal de trucs avec Zarina, ce qui fait dire qu'elle a eu beaucoup de skins dans la faille. Nightwolf qui est magnifique, j'aime bien. Là, j'aime juste pas les lunettes en fait ici. Pas, il est beau lui, non? Oh, non, c'est vrai. Quoi, Aro? Ah, Karou, ça doit être Aro. J'espère toujours voir un jour une faille à thème Silent Hill ou Resident Evil, ça pourrait être trop cool. Surtout si c'est Nemesis qui a un skin, je pense que ce sera Wesker, ça arrive, mais si Nemesis qui a un skin, ce serait trop bien. Mais après, on parle des skins l'anniversaire, mais des skins Halloween en vrai, on peut en parler aussi. Hein. Skins Halloween, il y en a des très stylés, puis il y en a beaucoup qui ont beaucoup de turlogies, c'est ça qui est dingue. Wesker en a un, Nemesis en a un, Pyramide en a un, le Xenomorph en a un, Ghostface en a un. Et après, je pense que Ghostface c'est une licence qui est plutôt libre, on peut faire plein de choses avec. Y'a qui autre qu'en a un en licence? Ah, je sais plus. Snowbit, non, ça serait dommage. Hein. Mais je pense que Snowbit, petit pari sur l'avenir, je pense qu'il n'aura plus jamais de skin. C'est triste, mais c'est vrai. Alors qu'il me semble que ça avait été dit qu'il allait avoir, enfin, que des gens avaient leaké comme quoi il allait avoir des skins. Hein. Genre, il y en avait des sources. Plutôt très très sûr, comme quoi ouais, il allait avoir d'autres skins avec même des skins pour la version féminine. Qui sait? Un jour peut-être, hein.
Après tout, Ash un jour d'un coup a eu une faille à lui, voilà. Alors que c'était bah longtemps après, parce que c'était après Wesker, je crois. Donc là, il s'est passé tout ça, tous ces survivants-là. Même s'il y en a qui étaient en double, genre E2 étaient en double et E2 étaient en double, mais. Ouais, non, ça va. Hein. Trop stylé, Ash, moi j'ai pas beaucoup joué. I am ready to perform with any battle. Ouais. Ah, je suis sorti quand? Je sais plus. I will ascend. J'ai beaucoup de choses qui sont passées, quoi. C'est quand Sky Merchant? Ah, c'est après le chevalier, donc c'est encore pire que ce que je trouvais. Ah, pire. Bien sûr, en plus qu'il manque des survivants. Attends, H c'était quand? En vrai, c'est dur de savoir parce qu'en fait, j'ai mis des trucs quoi. Ah, attendez, là on les a dans l'ordre. Donc c'était après le chevalier, c'est ça? Ouais, donc ouais. Attends, c'était après le chevalier? Oui, c'est après. Donc le fail de H est sorti là, en même temps que 2. Donc il s'est passé quand même beaucoup de temps. Comptons ensemble, mais il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 chapitres, sans compter qu'il y a eu des chapitres tueurs sans survivants. Donc en vrai, si on devait comparer ça plutôt avec les sueurs, attendez. Il est où déjà? Oui, il est après, donc après Plague. Il y a eu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 16. Je pense que j'ai trop d'espoir sur le futur de Zenkno. Enfin, Zenkno de. Ouais, bon, ça aussi, j'ai trop d'espoir, mais sur le futur de Vecna. Attendez, la petite mèche là qui tombe là, ça me trigger de fou, ici là. En fait, c'est que vu que ça a bien repoussé là, ça tient en fait tout seul, vu que en fait, ça, voilà, ça s'agrippe tout seul là. Le problème, c'est que là, ça a pas bien repoussé, vous voyez? Il manque encore un peu. Et j'y travaille. J'y travaille, j'y travaille. Je vais faire un petit coup sur Discord. Ah, mais ça, j'ai fermé Discord. Bref, du coup, moi, je vais vous laisser. Je vous dis la bise à la prochaine pour de prochaines aventures. Il y aura peut-être pas live demain et après-demain. Je sais pas. À voir. La bise.